capitala. The story of the two of us starts in elementary school. We met in, we were like 10 years old. We met through the French Fangoria man movie. I think I was reading the fanzine and Greg came and said, have you seen this movie? And it was a Wes Craven movie. It was the start of a big friendship, like in Casablanca. When you are doing this job of making movies and writing story, it's always better to be two brains instead of one. I think that's also why we are so close. We share the same love for horror movies. When we are working together, I trust Greg, Greg trusts me, and we are on the same page all the time. Sometimes for people it's hard because we are like always discussing, and some of the crew members feel a little bit put aside. Yeah, but after a few days they completely understand our way to work. Des gens qui font des films pas normaux sont pas normaux. Normaux. Sometimes actors are a little bit pissed off. A little bit pissed off because they stay more behind the video assist, and Alex is very close to the actor. So sometimes I have to say something, but I don't want to tell to the actor directly. Like this, Alex can go and tell to the actor, and they have the feeling. Yeah, but they are pissed off mostly because of we are spending not only the shooting day together, we are also preparing the next day together, and we never spend time with the actors. Yeah, sometimes they have the feeling that they're a little bit forgotten. When we are writing, we always write together. We never write separate. And the reason is that we need to share and discuss all the scene, and the discussion bring the ideas. When you read the script of High Tension, it's very, very close to the film itself at the end. It's a kind of shot list inside the script, but it's not a shot list like shot one with the camera pan on this. We are not putting any indication. The idea is really to find a way to write and to make the reader feel the movement of the camera without saying anytime the word camera or the word traveling or. It's just to give to the reader a point of view of the directing, in fact. I have the feeling that we are really coming from the writing part, the writing process. We are not coming from the directing process. Except Luc Besson in France, there is no lot of producer who can put this kind of money in a horror movie. We are starting pre-production and we lose part of the money. We came to Luc and say, you know, you have to help us. And I think he really liked the script. And you know, he decided to produce the movie. From the start of the writing, it was obvious that we need this twist, but it wasn't writing like in this way. It was writing that the film started with Cecile in the hospital room telling the story of what's happened during this night. And then you have the whole film, and at the end you come back in the hospital room and she was finishing telling the story, and everything she said was a lie. And the truth was another movie. When we met Luc Besson for the first time, he told us, you know, I love the twist and I really want to have the twist not only as a final scene, but to be the final reel of the movie, the last 20 minutes of the movie. In this way, it was much more fun to have the killer running after Maiwen. And it was a good way also to bring back to life the killer, which was dead in the glass house. In a way, it changed the kind of movie, because the last 20 minutes of the movie, we are in the middle of a kind of twisted situation and a kind of bloody fairy tale. The big casting decision was around Marie, because she's the main character, because she's the lead actress. We had to find someone who was as strong and as interesting than Sigourney Weaver in Alien. We choose Cecile because she was really the only one who has all this quality. Voilà, ils m'ont donné le scénario. Je suis rentrée chez moi, je l'ai lu directement et je l'ai lu d'une traite. Et j'ai appelé
une heure et demie après pour dire que j'avais très envie de le faire. Donc voilà, ça s'est fait très vite. Elle se crée vraiment un personnage par film. Elle est plus une comédienne qui compose à partir d'elle-même, mais à partir aussi de quelque chose de plus intellectuel. J'ai aussi travaillé physiquement pour arriver justement à enlever ce côté sain, peut-être un peu Danone, quoi, un peu nature, pour trouver quelque chose de plus sec physiquement. Et donc j'ai dû perdre du poids pour que mon visage aussi devienne plus dur. And then together with Cécile, we had to find the good contrast, the good white party girl like Alex is. So we were looking all the actresses, and finally we went to see Maiwenn playing in this stand-up comedy on stage in Paris. And she was so great, and she was so the character on stage that it was obvious that it was her and nobody else. And we asked her, like, do you want to read the script? And she was very excited. Honnêtement, hein, je me disais, waouh, ça fout les jetons. C'est efficace, c'est bien écrit. On se pose pas des questions existentielles. The next day, she was saying, okay, let's do it. Vraiment pas facile à jouer ce qu'a fait Maiwenn sur la route, parce que dire à quelqu'un qui menace d'une tronçonneuse qu'elle l'aime et hurler ce je t'aime désespéré. Tous ces sentiments différents, ça veut dire qu'il faut hurler « je t'aime » comme on hurlerait « laisse-moi vivre ». Tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. La plus difficile, bah, c'est la scène de la fin. Quand je suis sur la route, là, ça a été tourné dans l'ordre chronologique et peut-être que c'était voulu de sa part, Alexandre, et c'est bien vu. C'est quand je suis sur la route à la fin du film et qu'il me dit dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, et je suis dans tous mes états. Ça faisait des heures que j'étais dans le froid, je sentais plus mes os, j'en pouvais plus d'attente, j'en pouvais plus du sang, j'en pouvais plus de rentrer à Paris. Et je crois que les larmes qu'on voit dans le film, c'est un mélange de soulagement, un mélange de rage, d'attente, j'en pouvais plus. C'était assez marrant aussi de voir les filles avant chaque prise, de voir comment chacune appréhendait la scène et réagissait. C'est-à-dire que Cécile était déjà, on va dire, on a l'impression qu'elle était déjà dans sa scène, elle était déjà voilà, un peu toute seule, elle restait un peu à isolée, part, ouais. Isolée. Tandis que Maiwenn était beaucoup plus naturelle. Elle était limite en train de téléphoner sur le tournage quelques secondes avant le début de la prise. Philippe Naon was our first choice for the beginning because he looks a little bit like one of the French most famous serial killer, Émile Louis. It was obvious that for us it was exactly the kind of character that we wanted. So we sent him the script and he calls back and saying, you know, I love the script, but I don't want to play a bad guy once again. I want to play the good grandpa. I want to play the good guy. J'avais pas envie de le faire au départ parce que je dis, tiens, j'ai été catalogué en salopard après les seuls contre tous. On m'a donné des rôles de salaud, de flics véreux, racistes. Alors, je commençais à avoir un peu marre de ce genre de personnage. Il m'a dit, mais non, pas du tout. Je t'assure, ça peut être drôle. Bon, il a tellement insisté que je me suis laissé faire. It was a great, great collaboration. I mean, this guy is the sweetest guy in the world. Philippe now looks very big and very strong in the movie, but he's not as big as that in life. And in fact, he's shorter than Cécile de France and Maiwenn. They are tall girls. And so the idea was for all the scene where you don't see the face to have like a double, a big, big double. And so it's what we use for the windshield and for many other shots to make him look big and strong, much more like an ogre, really. He was very close with Cécile, and during the shooting, it was very tough shooting.
And he was more worried about the fact that Cecile could be a little bit tired or something. That was funny for the killer to try to protect the victim. Yeah. I think this is the key of this movie, to have find, even with a low budget, to have find exactly the perfect people to work on this project. On a rencontré en fait le chef opérateur de Haute Tension sur Entre Chien et Loup, qui est un film d'Alexandre Arcadic. On a travaillé avec lui 8 semaines sur un tournage où on a fait ensemble toutes les séquences d'action d'Entre Chien et Loup. On les a réalisées, nous trois, Greg, Maxime et moi. Et c'est vrai qu'on a eu une collaboration qui était vraiment intéressante. Vraiment, c'est quelqu'un d'intelligent, de subtil, qui travaille très vite. Go! Gianetto De Rossi, as a makeup artist on this movie, was a key element. I'm dead, but I'm alive. Ce qui l'intéressait, je pense, dans cette aventure, c'est le côté créatif que demande l'absence de moyens. C'est-à-dire que quand on a peu de moyens pour faire un film, on a besoin vraiment de se surpasser par les idées et par la création. Et Gianetto est quelqu'un qui a énormément d'idées, et qui, à mon avis, dans les grosses productions hollywoodiennes, n'a pas vraiment l'occasion d'exprimer toutes ses idées. Et sur un film comme ça, et ben, c'était open bar, quoi. Enfin, déjà, d'avoir rencontré Gianetto De Rossi, pour moi, c'est une des choses principales. D'avoir rencontré un grand maître du maquillage et des effets spéciaux qui a fait autant de films. Alors, en plus de son talent et de son génie, c'est quelqu'un qui raconte des histoires incroyables. Il a aussi fait le maquillage, en général, des deux héroïnes, de Cécile de France et de Maïwenn. Et c'est très important parce que si le maquillage des effets spéciaux apparaît comme un maquillage remarque tout de suite, celui qui marque le visage de Cécile de France et qui marque le visage de Maïwenn est beaucoup, beaucoup plus subtil, fin et intelligent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution et qu'il n'y a pas une scène où elles sont maquillées pareil. Et la fatigue qui se lit sur leur visage au fur et à mesure de la nuit fait partie du grand talent de Gianetto. Et je crois que la complicité qu'a eu Cécile avec Gianetto pendant le tournage a été aussi très importante. Parce qu'elle a compris que le maquillage allait être vraiment un allié dans la manière d'appréhender son rôle. Quand on fait un film d'horreur en général, on sait qu'on va pouvoir utiliser tout ce que la mise en scène offre à un réalisateur. I would say in France we don't have much genre movie, so that's why when we ask them to work on this movie, they realize that they can do some things that they never did before. It's also why Haute Tension has this very special touch, and we have to thank everyone. I mean, it was great. I have to say that in France, there is no one movie that can say this movie influenced us. We don't have our movie in France. We don't have this tradition that you can find in Italia, or you can find in Spain, or UK, or in Asia right now. It's very different. Faut que toi tu te laisses aller presque contre lui, tu plaques, et que tu restes, que vous restiez beaucoup plus longtemps comme ça plaqué. Comme on a plus ou moins le même âge et qu'on a, je pense, été influencé de la même manière par ce genre de film, sachant que lui, il est super balèze, il connaît ces films-là par cœur, il sait très bien comment ça se passe, la caméra. L'idée principale de mise en scène, de manière de filmer qu'on a eue sur Haute Tension, ça tient vraiment dans une seule idée, c'est d'adapter la stabilité de la prise de vue au niveau de peur de ce qu'on filme. J'explique. C'est-à-dire que plus le personnage de Marie ou plus le personnage de Maïwenn est terrifié ou mis dans une situation de danger, plus la prise de vue ne va pas être stable. Ça va être tourné à l'épaule d'une manière plus ou moins chaotique. Et plus le tueur va être sûr de lui, plus il va être inébranlable, plus la stabilité de la mise en scène va être fluide. Plus les caméras vont être à la grue, plus les mouvements vont être aériens, les travelling extrêmement doux. Et c'est ce mariage d'une caméra à l'épaule chaotique et de travelling, de mouvements à la grue, de choses extrêmement fluides, qui, d'une manière inconsciente, dit au spectateur de quel côté il se situe au moment où ça arrive. When we were writing the script, we realized that there were a lot of special effects in the movie, and we didn't have money to bring a European special effect company to Romania. And so we worked with very good guy in Romania. It was very new for them, and it was very new for us. And we tried together with Gianetto to find the best way to realize all these effects.
The Shenzhou in the end of the movie was a real Shenzhou, and the car is a real car, and the windshield is a real old windshield, but we had only one windshield for the car, so it was really one shot. On a beaucoup discuté de quelle image on voulait, et c'est vrai que moi j'ai eu des angoisses au bord du cauchemar pendant tout le tournage, parce que j'avais l'impression que les nuits bleues qu'on faisait, le côté un peu brumeux, la fumée, on était en train de faire... Pour moi, c'était un peu... On était en train de tourner Red is Dead. C'est le film d'horreur parodique, et on voit quelques extraits, et c'est vraiment le cliché du film d'horreur à la Scooby-Doo, avec la fumée, la voiture rouge, le tueur qui avance avec la faucille et le marteau, bref, tout ça. Et j'avais l'impression, jour après jour, qu'on était en train de faire une sorte de parodie de film d'horreur. Une fois qu'on avait réglé le problème de la lumière dans la forêt, qui était déjà un problème très compliqué parce qu'il n'y avait rien comme source dans une forêt qu'on a pris qui était sauvage, donc il y avait vraiment une vraie difficulté logistique d'installer de la lumière. Tout ça, il fallait maintenant régler le problème de faire une poursuite de voiture. Vu l'état des routes, qui sont en général des routes qui ne sont pas bitumées, d'avoir une stabilité de poursuite avec une voiture traveling, avec aussi des plans fixes, des caméras portées sur les voitures, bref, c'était compliqué. Et au final de tout ça, une cascade contre un arbre avec un tonneau. Dans ce type de film, il n'y a pas énormément d'argent, on est très pressé, c'est ça passe ou ça casse. Hein. Et là, pour le coup, c'est passé, ça s'est cassé, mais c'est génial. Il y a une petite anecdote qui est assez marrante dans le combat des cerfs, c'est que pour donner des coups de massue dans la tête de quelqu'un d'une manière assez violente, il faut évidemment une fausse massue. Une fois qu'on a fait la fausse massue, c'est une massue en latex avec du fil barbelé qui n'est pas du fil barbelé, mais en fait, de la corde trempée dans la cire et peinte en fer. La blague, c'est saisissant, on ne fait pas la différence entre la vraie et la fausse. Mais malgré ça, une barre en plastique qu'on frappe au visage d'une manière très forte, ça fait super mal. Donc en fait, on a un autre petit truc, c'est-à-dire que pour les plans où elle frappe vraiment, la caméra est toujours derrière le personnage qui se fait frapper, c'est-à-dire là pour le coup le tueur, et en fait juste devant le tueur, mais ça on ne le voit pas avec l'angle, il y a une sorte de barre qui est exactement plantée devant lui et qui va arrêter le coup juste devant son visage. C'est-à-dire qu'elle peut taper sur la barre. Nous, de dos, on a l'impression qu'il se le prend parce qu'il fait, il accuse le coup. Mais la barre est arrêtée par le poteau. Et c'est vrai qu'il était tard, elle était fatiguée, il faisait froid, nous n'avions pas vraiment répété. Bref, tout le monde était un petit peu dans le tourbillon de l'urgence. Et... le premier coup est parti, la barre n'était pas très bien réglée et Philippe s'est vraiment pris un coup de massue, même si elle était fausse dans le visage, ce qui fait extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Et ce qui a été quelque chose d'assez négatif sur le moment, parce qu'évidemment, lui, ça lui a fait mal, donc c'était terrible. Mais Cécile avait peur de recommencer de nouveau, de mal frapper et de le frapper à nouveau. Donc c'était, tout d'un coup, on a créé chez elle une sorte d'angoisse, elle n'osait plus frapper, et donc les premiers coups qu'elle a donnés étaient des coups... plutôt gentil, et ça allait pas du tout, il fallait que ce soit des coups furieux, je veux dire, vu tout ce qu'elle a pris et tout ce que son personnage a encaissé depuis le début du film, il faut qu'elle le défonce, donc il faut qu'elle frappe. Ce que pour moi, une des grandes frayeurs par rapport à mon boulot précisément, c'était de jouer la frayeur, jouer la grande terreur face au mal, face à la mort. Ça, c'est très difficile parce que je ne l'ai pas vécu, je n'ai jamais vécu ça. Comme c'était intéressant aussi de voir qu'il avait vraiment envie de construire quelque chose sur les personnages, notamment sur le mien. Alors là, c'est le bonheur. Je lui ai fait confiance aussi parce qu'il m'a demandé de me couper les cheveux, il m'a demandé d'avoir cet entraînement. Enfin, je l'ai fait parce que j'ai senti qu'il voulait arriver à quelque chose. In fact, the logo on the back of his coverall starts with the key ring. And we knew that we need to build something on the back of his suit. We found this keyring in the flea market in Romania, and this keyring was so funny that we decided to use it as a logo for the killer. We tried to imagine the way that Marie could imagine the killer. She was thinking about all the killers from other movies and stuff, so it was a little bit over the top. I mean, with his coverall, with his trucks, with everything. It's the kind of vision, if you have to imagine a serial killer, you will imagine this kind of serial killer. You wouldn't imagine like a very straight, clean, with glasses. And there is some serial killer which are not like our killer in the movie, but that's not the way you imagine them. You imagine them in a way which is a little bit like over the top, like big, with this coverall, with this truck, with everything matching together.
when you have one shot to make some very difficult shot like the windshield at the end, you need to be lucky in the way. But sometime during the shooting, we had much more luck, and we find out in the editing or watching the dailies that the gods were helping us. When the killer arrived in the house and the mother sees the killer for the first time, the flare of the truck lights just get around the head of the killer, and this is something you can't do again. It's just impossible, and we had this luck. I love this shot. I think the fact that we shot this movie very fast brings us a lot of lucky stuff, you know? And creativity and also. The decision you took sometime now much better for the movie. By example, at the end of the movie, Maiwen was knocking on the car door, and she wasn't supposed to go inside the car. She was supposed to run to a mill, and there were like a big fight in the mill with the chainsaw. And because we were like losing days, the solution came like, okay, let's have her coming inside the car. And so she's trapped inside the car, and so we can have this attack of the car with the chainsaw. Another good example, which is a big change, was that the scene in the glass houses in the middle of the forest, it was supposed to be in a dry river, and everything was prepared for that. But a week before shooting, it was raining, and we were like, it wasn't anymore a dry river, it was a river. It was lake. It was impossible. So we changed our mind, and the scene is much better like that. Sometimes emergency and the fact that you are working the low budget bring you to the solution, which is much more interesting in a creative point of view. Right now, if someone give us like much more money to make the film, I don't think we would make another movie. I think it was a good budget for the movie, and we didn't felt by the time that we were missing some money to make the movie we had in mind. And we didn't make high tension saying, we're going to make an American horror movie. We just said, let's make an horror movie. We love the genre, we love this kind of story. We want to make a tribute to all these movies that influence us in many different ways. So we did high tension. It was not a question or a marketing point, because it's not the best marketing choice to make an horror movie in France.